Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Murabi Shmuel Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Aouda, Sarbatan Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batrim, Nechemia, ainsi que le Rufuat, Avramori Ben Reout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Perk Yud Dalet, Mishnah Vav, Baoule Shilo, Nesru Abamot, Loya Sham Tikra, Ela, Bait Shalavani Milmatan, Viriot Milmalan, Vehi Haita Menucha, Kodshe Kadashim, נאכלים לפנים מן הקלעים, קדושים קלים ומסר שני בכל הרועה. On continue avec l'interdit des sourds bamot. Offrir un corban sur un hôtel personnel qu'on a construit soi-même, pas un hôtel public pour tout le clan d'Israël. L'interdit des bamot. Comme on a appris, c'est un interdit qui a des hauts et des bas. Des fois il est en vigueur, des fois il n'est plus en vigueur, selon l'histoire, l'évolution de l'histoire du Ham Israël. Tant que le Mishkan n'a pas été construit, on offrait tous les corbanotes sur des hôtels personnels en particulier. Les Avot, Avraham Tzak Yaakov, en comptant la Torah encore que même au pied du Sinaï, nos ancêtres, avant de recevoir la Torah, là-bas ils ont fait des Olot et des Shlamim. Ça c'est les Bamot. Une fois qu'on a construit le Mishkan, interdiction de faire, d'offrir un corban sur un hôtel particulier, obligatoirement on doit l'apporter au Mishkan. Dans le Mishkan, dans le Misbéar qu'il y avait dans le Mishkan. Ça, ce qu'on a pris maintenant dans la Mishnah, on a précisé que c'était uniquement lorsque l'on était dans le désert qu'il y avait le Ham Israël qui était en campement. Tandis qu'une fois qu'ils sont rentrés en Eretz Israël, pendant 14 ans de conquête et de partage d'Israël, 7-7, il y avait 7 années de conquête, 7 années de partage, pendant ces 14 ans, pour le moment, le Ham Israël n'était pas encore bien structuré. Et alors là, puisqu'il n'y avait plus de Machané, alors on avait le droit de manger, de faire des corbanotes de nouveau de partout chez soi. Ensuite, une fois qu'on a fini donc, le partage d'Israël, après les 14 ans, alors nos ancêtres ont pris le Echal, tout le Mishkan en fait, et l'ont amené à Shiloh, une ville en Eretz Ephraim, je crois, si je ne me trompe pas, Ephraim ou Menaché, en tout cas dans la parcelle qui vient de Yosef, qui appartient à Yosef. Là, c'était Mishkan Shiloh. Mishkan Shiloh. Alors il a une petite particularité, ce Mishkan, c'est qu'il est devenu un peu plus fixe. Il avait les murs qui étaient construits en pierre, tandis que le toit n'était pas en dur, il était encore avec les yériot. On a pris le Mishkan, vous savez bien, le Mishkan, il était avec des poutres de bois recouvertes d'or, et le toit, il était fait avec trois yériot qu'il fallait couvrir, yériot izim, yériot elim, odamim, trachim, comme c'est expliqué tout ça dans Parashat et Trouma. D'accord ? Ça, c'était pour le Mishkan. Donc il était à moitié fixe et à moitié encore un peu provisoire quelque part, parce que ce n'était pas encore la Nachalat Olamim, l'héritage éternel. Pour le moment, c'était El Menucha. Ok ? Donc là, dans ce Mishkan Shiloh, tant qu'on arrivait à Shiloh, c'était une forme de petit Beth Amikdash qui était fixe, presque mobile malgré tout. Il s'appelait un peu Mishkan et il s'appelait un petit peu Bartenora rapporte Batavi ou Bet Hashem Shiloh, donc il a Bait fixe. Et après il y a un autre passage qui me dit Vertiv, Vaitosh Mishkan Shiloh dans Teilim, il a laissé le Mishkan de Shiloh. On appelle le Mishkan de Shiloh, donc Mishkan ça veut dire que c'est encore temporaire. Il était entre les deux, en tout cas tant que le Mishkan. Qu'est-ce qu'on a gagné en faisant qu'il était entre les deux? On a gagné que tant qu'il y avait le Mishkan de Shiloh qui était là, interdit de faire les Bamot personnels. Une fois que le Mishkan de Shiloh a été détruit, on a eu de nouveau le droit de refaire il y a eu de nouveau la permission des Bamot, comme ce qu'on apprendra dans la prochaine Mishnah. Ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est qu'on va traduire maintenant la Mishnah, on est capable de tout comprendre, après on va ouvrir les psukim et les dans le Varim pour mieux voir à la source et comprendre une expression de la Mishnah. Baou le Shiloh nesu Bamot. Dès que le Mishkan est arrivé à Shiloh, alors les Bamot sont de nouveau redevenues interdites. Comme ce qu'on va le dire des pasuk de Parashat Re'eh. Loya Sham Tikra, là-bas il n'y avait pas de toit en dur, de Tikra. Ouais. Et là, de plafond. Et là, Bait Shalavanim Milematan, Viriot Milemalan. Mais il était plutôt construit en Bait Shalavanim, une maison en pierre construite, les murs, en bas, donc les murs, en dessous. Tandis que Viriot Milemalan, en haut il y avait les Yeriot. Les Yeriot, c'est les pots et teintures, le toit qui était en fait avec. Le toit du Mishkan. Vehi aita menucha. Et c'était-elle la menucha, le lieu de repos, mais dans le sens comme une petite sieste qu'on fait l'après-midi. D'accord, c'est pas encore le grand sommeil. C'est menucha, une petite trêve, un petit peu de vacances.
On va expliquer pourquoi. C'est par rapport au pasouk justement qu'on va voir tout à l'heure. Kilovatem ad'ata el aminucha ve'el anachala. Kodshe kadashim, à cette époque-là, du coup, kodshe kadashim nechalin lifnim minakelaim, les kodshe kadashim pouvaient être mangés lifnim minakelaim, dans l'enceinte du Mishkan Shiloh, dans les klaim, d'accord, les klaim c'est les teintures qui séparaient, qui encerclaient le Mishkan, donc kodshe kadashim interdit les sorties de la cour du Mishkan, tandis que kodashim kalim ou maaser sheni bechol aroe, les kodashim kalim, les korobanot qu'on a le droit de faire sentir en théorie de l'enceinte du Beth Amikdash, mais qu'on doit manger que à Yerushalayim, en théorie, lorsqu'il y a le Beth Amikdash, à Yerushalayim. Lorsqu'on était à Mishkan Shiloh, il n'y avait pas de muraille autour, alors là, on était limité par Kol Aroé. Tant qu'on pouvait voir le Mishkan Shiloh, de tout lieu où on réussissait à voir le Mishkan Shiloh, on avait le droit de manger. Dès qu'on s'éloignait tellement que c'était qu'on ne pouvait plus voir le Mishkan Shiloh, on n'avait plus le droit de manger. C'était comme ça qu'on définissait le domaine de Shiloh, on avait le droit de manger les Kodashim Kalim. Et tout ça, bien sûr, avait déduit de Psukim, avec quand même une précision, c'est que cette fois-ci, on a parlé du Maaser Sheni. Maaser Sheni aussi, il y a une halakha de le manger à Yerushalayim. Vous savez, quand on prélève les Troumot Maasrot, on reçoit la récolte très vite fait. D'accord, on reçoit la récolte. 100 kilos, 1 cinquantième, c'est la Trouma, on donne au Kohanim. 1 dixième de ce qui reste, 90, donc il restait 98, 9,8, on donne au Kohanim. On prélève ensuite, c'est le Maaser Rishon. De là, le Maaser Rishon, le Lévi va donner. Trouma, Kohen. Maaser Rishon, au Lévi. Je crois que j'ai dit Kohen. Au Lévi. Le Lévi, lui, et ensuite, il va reprélever un dixième du dixième et il va le donner au Kohen. Et maintenant, on doit prélever un deuxième Maaser. Une deuxième fois, et selon l'année, si on est 1, 2, 4, 5, ça s'appelle le Maaser Sheni, on doit le prendre et monter à le manger à Yerushalayim. Et si c'est les années 3, 6, on doit le donner aux pauvres, ce qu'on appelle le Maaser Ani. Ok ? Maintenant, par rapport au Maaser Sheni, il fallait monter à Yerushalayim parce que là-bas, il y avait le Mishkan. Lorsqu'il y avait le Mishkan à Shiloh, il ne fallait pas monter à Yerushalayim, il fallait aller à Shiloh. D'accord ? Et quand on devait monter le manger à Shiloh, comment est-ce qu'on définissait les limites de Shiloh ? Eh bien, Bekol Aroé, tant qu'on le voyait. Ok ? Excusez-moi, on va découvrir tout ça dans les psukim maintenant. J'ouvre dans Parashat Re'e, Perek Yud Bet. Il y a tout un Perek, ça commence depuis le début du Perek, très vite fait. Au début, Hachem il ordonne de détruire tous les batei avod azara, tous les lieux de culte des goyim. Et après, Hachem nous dit, par contre pour Hachem, vous ne ferez pas la même chose, au contraire, vous viendrez manger Kim Alamakom, Pasuk Hei nous dit, Kim Alamakom Asherra Hachem, Mikol Shiftechem. Là, le lieu où Hachem décidera de faire résider son nom. Alors là-bas, vous irez le rencontrer, le voir là-bas. Et vous apporterez là-bas, regardez, Olotechem, Zivrechem, Maserotechem. Vous apporterez là-bas les korbanot et même les maasrot. Vetroumatiedchem aussi, c'est pour inclure d'autres choses, Minedchem et Nidvotechem, les bechorot. Et vous mangerez Vachaltem Sham, Lifnei Hachem, Lokechem. Vous réjouirez. Et alors là, Moshe Rabbeinu continue en nous disant Lota Asun Kechol Hashar Nachnu Osim Po Hayom Mishkol Hashar Benav. Vous n'aurez plus le droit à cette époque de faire ce que l'on est en train de faire aujourd'hui. Au sens simple, dans le désert, en réalité Rachid explique qu'on parle une fois qu'on est rentré à Yerushalayim, qu'on est encore à Gilgal. D'accord, qu'il y a le Mishkan à Gilgal. En tout cas, vous ne pourrez pas faire la même chose que quoi Mishkol Hashar Benav et Nav, que chacun il fait un peu ce qu'il veut, il fait ses korbanot à sa manière, dans l'hôtel qui s'est fait. Dans sa cour, tout seul, il fait son petit corban à l'heure qu'il veut, quand il veut. Non, on ne fera plus comme ça une fois qu'on sera là-bas. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez le droit de faire, parce que pour le moment, vous le faites, parce que vous n'êtes pas encore arrivé, vous n'êtes pas encore arrivé à la situation de repos, où vous asseyez enfin, vous siégez enfin dans votre terre, et dans votre héritage. Ouais ? Que là-bas vous le ferez, alors qu'il y a quelques passages plus loin, on continue le passage qui nous dit il y a ma comme Hashem lokechem, Hashem shem Hashem mekhole, et là-bas, ou smartem, lifne Hashem, et là-bas, il y a un passage qui revient à la charge et qui me dit Shamer lecha pen ta'aleh olotecha bechol makom asher tireh, veille à ce que tu ne vas pas te mettre à faire ton korban de tout lieu où tu voudras, mais le passage qui nous disait où tu verras. D'accord ? On a là fini de découvrir le psukim qui m'intéresse. Pour définir donc El Amenucha Vel Anachala, Chazal explique qu'on a fait allusion à deux périodes. La première fois où le Mishkan, où il y a eu un lieu fixe de la maison d'Hachem, qui s'appelait Menucha, mais qui n'était pas encore la Nachala. C'était pas encore la Nachalat Olamim. C'était une Menucha, c'était un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu une petite pause, une petite rêve. On a construit une petite maison, un peu plus que du provisoire, mais c'est encore, c'est plus une caravane, mais c'est encore. Ok ?
Donc c'est le Mikan Shiloh. Il y a ici un remède pour Shiloh. Et la Torah, elle m'a dit, elle a Menucha et elle a Nachala. Ni à Shiloh, ni même ensuite quand il y aura la Nachala. Qu'est-ce qui se passe avec la période intermédiaire? La période intermédiaire, elle vient me dire, là-bas, tu auras le droit, effectivement, de reprendre l'interdit, de reprendre les bamotes et de le refaire. D'accord? Ouais? Donc le passage qui m'a dit, pas de bamotes, que le Mishkan ou le Bet Amigdash public, lorsque tu seras à Menucha, ou ensuite quand tu arriveras à Nachala. Mais entre Menucha et Nachala, entre Shiloh et Yerushalayim, tu auras le droit de reprendre l'interdit des Bamot. Ça, c'était pour expliquer ce qui s'est passé donc avec Shiloh. Maintenant, l'histoire du Kol Haroé, alors, qui a marqué là-bas le passage qui m'a dit, mais attention, tu ne pourras pas égorger tes korbanot là où tu le voudras ou là où tu le verras. C'est-à-dire qu'en fait, la passage qui est venu me faire une allusion assez originale en me disant, si tu vois Shiloh, tu n'as pas le droit de faire le korban. Mais tu as le droit de manger le korban. C'est ce que la Mishnah est venue m'enseigner à la fin de la Mishnah. Bechol haroé, que tant qu'on voit le Mishkan Shiloh, alors on a le droit de manger les korbanot qui ont été faits à l'intérieur du Mishkan. C'est clair? Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tu sela.